Assalamu alaykum, ya Sayyidati. Wa alaykum assalam. Je n'ai pas pu m'empêcher de t'entendre, Sayyidati, à propos du parfum. Ce n'est pas très poli d'écouter, tu sais. Mais comme tu es un admirateur, je te pardonne. Je m'appelle Kabiha et je m'occupe de la célèbre Kina. Oui, oui, sa senteur est unique. Rose, miel, bois de santal et, comme tu l'as entendu, un trait de sang. Du sang, j'aurais dû le deviner. J'ai cru qu'il pouvait s'agir de fer. Le sang provient du fer, n'est-ce pas? Mais à cause de ce détail, il est difficile de préparer de grandes quantités. Si ce parfum est si rare, il doit être apprécié des gens de pouvoir. D'ailleurs, il me semble l'avoir humé près du trésorier. Ning porte la Kina. Elle aime énormément son aspect mystique, comme beaucoup. C'est étrange. Tu n'as pourtant pas l'air de quelqu'un qui s'intéresse à l'art de la parfumerie. Il est hasardeux de juger quelqu'un sur son apparence. Certes. Je n'ai pas bien saisi ton nom. Bassim. Bassim. Loin de moi l'idée de te faire perdre ton temps. Je te souhaite un très agréable séjour au Dayanat al-Mahli, Sayyidati.